Bonjour à tous, ici Jean-François Lanvert de Park City. J'espère que vous me reconnaissez. Même à l'étranger, le temps fait des ravages et je voulais justement évoquer le prochain 45e anniversaire de notre promo qui arrive dans un peu plus d'un an. Bon, vous direz qu'il est un peu trop tôt pour y penser, mais je crois qu'il faut que nous préparions cet événement avec beaucoup de soin. Profitons que notre santé et notre agilité soient au mieux pour aller fêter comme il se doit ses 45 ans. Et c'est pourquoi un petit voyage en dehors de la Haute-Savoie est peut-être notre dernière occasion de nous déplacer confortablement et en assez grand nombre. D'accord, mais où pourrions-nous bien aller ? Yves Bocquet et moi avions suggéré à plusieurs reprises de faire quelque chose aux États-Unis. Pour nous, c'est tout près de la maison, donc très facile. Le seul problème est que l'endroit n'a pas grand-chose à voir avec nos études à Cluses. Sauf qu'en y réfléchissant un peu et en considérant que Jean-Marie Perrin et le jazz ont constitué la bande sonore de nos 5 années à l'ENH, nous pourrions peut-être nous retrouver à la Nouvelle-Orléans et nous balader autour du pays cajun pour y goûter les spécialités locales. Si vous trouvez que c'est trop loin, je pense à d'autres possibilités. Par exemple, aller en Bretagne où réside notre ami Michel Vitoz. Une autre serait la Corse, où habite Alain Picot. Nous pourrions aussi aller sur la côte méditerranéenne, en commençant par Nice, où vivent Marcel Vittet, Jean-Claude Marietan, ou encore du côté de Sète, où Gilles Lignon est établi. Du reste, pas bien loin de notre ami Daniel Villaret. À moins, bien sûr, que les amateurs de mer du Nord insistent pour aller rendre visite à André Bouvard, tout près de Calais. Enfin, nous pourrions tous nous retrouver à Munich, chez Claude Weckmann, pour la fête de la bière et pour visiter le musée BMW. Rassurez-vous, si aucune de ces idées vous tente, il y a toujours Cluses et sa région. Voilà donc quelques options. Encore une fois, il n'est jamais trop tard pour préparer une réunion sympa pendant que nous sommes tous en forme et encore un peu marrant. Qu'en pensez-vous? Ajoutez vos idées et partagez vos opinions avec tous les noms qui se trouvent sur ce mail et commençons à en discuter. Allez, au revoir, il faut que j'aille skier.